Salut à tous, ici Music Box et... Oui, c'est moi, bonjour. Sur The Bat. Ludic. Le mec blasé de la vie, quoi. montre un peu de passion, voyons. Oui, je montre mon... Voilà. Et nous sommes avec nos nouvelles armes, nos découpeurs tronçonneuses excellents. On verra ce que ça va donner un petit peu. Et puis, bah écoute, on va continuer notre aventure, hein. Tout doucement, tranquillement. Je vais lancer le chronomètre. L'escalade, c'est parti. Wouh! L'escalade, ouais! Et bien, une petite caisse, oui. Trop bien! Et qui a-t-il là tout en haut? Des recharges de stase. Pourquoi il donne tant de recharges de stase dans ces coffres là? Oh, tu sais, c'est aléatoire. Non, il y en a dans les trois coffres. C'est pas tout à fait aléatoire à mon avis. Tu veux bien aller à ton poste, s'il te plaît? Eh oui. Oh putain. Ok. On peut ralentir les blocs de pierre. Par contre, où est-ce qu'on doit aller? À gauche. À gauche. Ah, ok. Non. Oh putain. J'ai failli mourir écrasé par le bloc, quoi. Attention. Fais gaffe à l'ascenseur après, hein, sur la gauche. Ah, j'ai vraiment du mal avec l'escalade, hein. Mais en même temps, ils te mettent pas l'angle de caméra le plus adapté, quoi. J'arrive pas à passer la première plateforme. C'est comme la canne ou quoi? Ah, je suis voilà, en haut, bon. Moi. Je suis déjà en haut, moi. Allez, Bat! Fais gaffe à l'ascenseur, hein. Ouais, pas de problème. Quel traînard c'est ce gars, je vous jure. Je suis quand même 10 fois meilleur que lui, hein. Y a pas à dire. Chut. Il est quand même un peu inutile. Hein. Je suis sûr, je ferais le jeu en solo, j'irai 3 fois plus vite. Ah, tu changes le titre de ton playthrough aussi. Et mob. Ah, je vais tester ma nouvelle arme. Tu veux bien me laisser le temps de... Tiens! Tu peux tuer 2 ennemis avec une seule munition, c'est ça qui est cool en fait. Avec ce truc. Putain, je suis dans le vomi, je peux pas bouger. Un bat, tu peux tuer 2 ennemis avec une seule munition avec ce truc. C'est ça qui est génial. Attends, t'avances un peu vite, s'il te plaît. Une échelle. Le temps que je puisse me soigner, s'il te plaît. Voilà. Le rechargement est pas mal non plus. Un peu tronçonneuse. C'est ça. Come on, bitch. J'ai trouvé le treuil. Je vais le démarrer. Je sais pas si on devrait le démarrer, hein. Accrochez-vous bien. Attendez, j'aime pas ça. Parlez-moi, concentrez-vous.
qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, maintenant nous savons que si nous voulons arrêter la machine, il nous faut une clé. Les chercheurs l'appelaient le Codex. D'accord. Alors, c'est par où? Il faut le construire. Mais comment on va faire? Comme ils l'ont fait il y a plus de 200 ans. En trois parties sur un établi. Oh mon Dieu! Pas de panique. C'est juste un fusible. Dégage, Bot. On peut utiliser l'énergie des lumières. Oh non, pas ça! Allez, parlez-moi un peu de Rosetta. Eh ben, on ne sait pas grand-chose. En tout cas, les recherches ont abouti au Codex. Et il se trouve où? Dans les installations en haut de cette montagne. Bien. Eh, on y est presque. Voilà, parfait. Maintenant que j'ai compris le truc, j'ai fait en un coup, quoi. Eh oui, il va falloir le construire en trois parties sur un établi, tu paries combien, Bat? Comme il y a 200 ans, quoi. Le Codex? Le cylindre dans le prologue. Ah oui. Oups. Allez, dépêche-toi, là, je suis en train de tenir le treuil, mais biatch. C'était pas si terrible. Comment? J'ai pleuré tout le chemin. Par pitié, posez-moi sur la terre ferme. Oh mon Dieu! Je t'avais dit de te dépêcher! Santos! Carver, aidez-moi! Il va falloir tapoter comme un bourrin. C'est trop lourd! Non, non, je la tiens! Isaac! La falaise va finir par s'effondrer sur nous! Non, je peux l'aider! Là, attrapez le treuil! Santos! Donnez-moi votre main! Isaac, c'est trop tard! Merde. Putain de merde. Je la tenais. On allait tous être emportés avec elle. Isaac, la falaise va s'écrouler. Allez, vite, donnez-moi la main. J'avais promis. J'aurais pu l'atteindre. Si seulement j'avais eu le temps. Et merde. Encore. Oh putain. Non. Pourquoi moi? Fuck. Isaac! Elle est partie, Ellie. Isaac, cette chose emportait toute la falaise. Tu pouvais rien faire. Tu peux remonter, là? Ouais. Je vais essayer par le côté. T'étais en haut, mais t'étais arrivé en bas. Chut. Normal. Putain, Ellie, maintenant, elle est toute seule, quoi. La pauvre. Oh non, on doit encore se retaper le chemin. Oh merde! Aïe! Mais tire! Mais elle me coince dans le coin, je peux plus rien faire. Oh merde. Servez-vous de ce générateur pour activer les harpons de... Faut qu'on batte un boss en même temps qu'on fait un truc, c'est ça? Il est où le générateur? Il est là. Faut la tuer avec l'harpon en fait. Sans doute. Vous devez attirer cet enfoiré vers les lasers! Occupe-toi du harpon, je vais l'occuper. Ouais, je veux bien m'occuper du harpon, mais... Ah bah il est automatique le harpon, j'ai l'impression.
faut la mettre entre les deux harpons en fait, mec. Faut la poser dans la lumière là. Faut la tirer ici, je pense. Ah, je pense aussi qu'il faut activer leur pompe d'une façon ou d'une autre. Par là. Putain, là. Non. Tournez cette commode. Il va s'échapper. Attends, il y a un connard. Putain, il y a des connards qui. Ah, il me fait défoncer. Bah, je sais pas quoi faire. Faut qu'on la remette dans les harpons là. Ça y est, il faut tirer l'harpon. Vas-y, continue à tirer, on va l'écarter en deux. Saloperie. J'espère que t'as aimé ça. Bon bah, go récupérer tout le stuff qu'il y avait par terre quoi. Un peu ça ouais. C'est un peu ça. Oh mon dieu. J'ai plus de cartouches. Il doit pas en avoir beaucoup non plus. J'ai surtout plus beaucoup de kits de soins à mon avis. Ah si, j'en ai encore, ça va. Pas mal de stats sur moi. Bon, bah on est reparti pour de l'escalade quoi. C'est parti. Toujours le bug graphique? Toujours. Mais comment tu sais si t'as de la... si te manque de la vie ou pas? Bah je sais pas, personne m'a encore tapé, j'ai... Non, tu t'es même pas fait toucher là. Non, à chaque fois qu'un ennemi venait sur moi, je le dégommais avant, donc je peux pas dire. D'accord. J'aime pas beaucoup trop ça. Oh là, ils me font passer de l'autre côté là. Pourquoi? Il se passe quoi là? Hein? Ok. Pas trop. J'ai des têtes avant toi. Peut-être. Eh, reprends-toi. T'as fait de ton mieux, Isaac. Tu as fait tout ton possible. Non, c'est faux. J'ai merdé, Ellie. Je suis désolé. Ça doit être ici. Mais comment est-ce qu'on va trouver Rosetta? Elle devait bien avoir un labo. Il faut chercher son bureau, ses dossiers, tout ce qui porterait son nom. Par là, on rejoint l'entrée. Venez. Putain, c'est la grosse ambiance, hein. Ouh. On va tous faire le Harlem Shake, ça va nous détendre. Alors là, il y a un truc, circuit d'amélioration. Plus de dégâts, plus en cadence de tir. Ça, c'est gros truc DPS. La grosse échelle.
grande. Oh là là. Bah oui, tu pouvais pas avoir une grande échelle sans qu'il se passe une connerie. Ouais, ça ira. Passe devant. Ouais, non. Je t'envoie les coordonnées. On se retrouve aux installations. Ouais, ça pue la merde encore cette histoire. On va encore se faire violer par des nécromorphes. Pendant que nous, on va aussi se faire violer par des nécromorphes. Eh, hey, regarde, on se croira dans la Moria, mec. Tu sais, le passage en... pardon, pas dans la Moria, en Mordor. Tu sais, le petit passage avant l'araignée, là. Ouais. Ah tiens, c'est marrant, d'ailleurs, il y a une grosse araignée aussi dans... Tu vois ? Non, il y a un passage par là. Il y a un passage par là aussi. Ah bah non, c'est de ton côté qu'il faut aller pour... stuff. Munition ou un troll des développeurs. On c'est, verra bien. C'est encore un troll des développeurs, j'ai l'impression, vu la forme du truc. Il y a des mobs. Oui, j'ai vu, merci. Bon, ça fait toujours des ressources, quoi, mais... Mais bon. Ah, des munitions, je dis pas non, là. Toujours du bien. Et ce bruit, là, il y a bien un objet quelque part, là, je suis pas fou. Bah, il doit être à côté, en fait, par le chemin normal. Ouais, sinon je vois pas trop comment. Mis à part s'il y a des trucs cachés où tu peux péter des portes, tu sais, enfin des murs de glace ou quelque chose. Ouais, je sais pas, c'est bizarre, je sais pas trop. T'as pas l'air d'être par là, hein. On entend pas le bruit. C'était quoi ça? Ben un mob là, tu l'as vu? Ouais, je l'ai vu, mais c'était quoi comme mob? Je sais pas, il a sauté. C'est caché le mob. Et y a des monolithes, regarde. Chaud. Est-ce qu'il faut qu'on monte? D'accord, bah go aller voir là. Y a un petit chemin par ici. Ce sera peut-être pour plus tard, c'est fermé. Ce sera sans doute pour une quête annexe ou une connerie du genre. Et faut faire gaffe parce qu'il y a des objets qui sont cachés par télékinésie sur des trucs et il faut les récupérer comme ça. Pète les cadavres. Que je suis pas très confiant, tu vois. C'était quoi ce monstre tout à l'heure là, sérieux? Ah bah je crois qu'on va avoir notre réponse. Non, même pas. Ah, c'est l'autre bâtard. Attention, on dirait que Danik a des renforts. Bordel. Comment on va pouvoir trouver Rosetta si elle est morte depuis 200 ans? Attends un peu. Là. Labo Rosetta. C'est là. Parfait. Envoie-moi les coordonnées. J'espère que nous aurons le codex avant que Danik nous trouve. Ça pue la merde. Fusil chercheur. Pourquoi y'a pas de mecs? On a des caisses mais y'a pas les mecs, ils sont pas là encore. Ça pour après je pense. Petit piratage.
Ils ont mis le petit bruit qui faisait peur, mais en fait, il y avait rien. Ah si. T'as vu ce qui est passé là? Non, c'était quoi, une petite merde? Non, 25 petites merdes. Attends, ils sont en train de bouffer des cadavres, mec. Oh putain. Derrière toi. Nouvelle tenue, j'ai bien lu là. Possible, on a un truc à côté. Donc du coup c'est fort possible. Les mecs à charognard sont de retour à l'établi. J'ai regardé les rigs. Bah moi j'ai quasiment tout fini en fait au niveau des rigs. Tenue légionnaire. Ici il nous faut une carte que on n'a pas. À part la classe. Et ça va être génial, on va pouvoir s'arrêter ici justement, mon petit bat. Oui. Après le changement de tenue, vas-y, change ta tenue. Ça, ils pourront voir la tenue avant, avant qu'on se quitte. Wouahaha. Voilà, attention, là, c'est la tenue... tenue doudoune. Mais pas de short. Tenue bibindum Michelin. J'ai une jolie petite lunette. Fais voir, retourne-toi. Je vois pas trop là. Attends, je regarde les rigs. Non mais fais ça après, comme ça on évite. Fais ça pendant la pause. Bat. On va peut-être pas les faire poireauter pendant 3 ans. Alors, tenue de légionnaire débloquée. Moi j'ai l'air d'avoir un casque stylé en fait. Tu sais, c'est la tenue des mecs qui sont contre nous, en fait. Les hommes de main de... de Danny, je sais pas quoi. C'est juste le visage qui est assez marrant, en fait. Ah, j'ai deux petits yeux bizarres. Ah, moi j'en ai trois. T'as trois yeux, toi? Ah, mais toi t'as une truc en mode Splinter Cell, toi. Ouais, mais en rouge. Regarde-moi. Trop bizarre. Enfin, bref. On va se laisser là, les petits amis. On se dit à tout bientôt pour un nouvel épisode de Dead Space. D'ici là, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. N'oubliez pas le petit pouce vert, etc. Le commentaire si vous en avez envie. Ça fera toujours plaisir. Allez! À la prochaine pour de nouvelles aventures!